La Ligue de hockey d'été senior de Boucherville a servi de cobaye pour tester le nouveau système. Au départ, c'était un projet pilote. Le but de l'opération, permettre aux différentes ligues de hockey d'avoir leurs résultats en direct. De façon instantanée, si on veut, l'information est transmise sur le site web et l'internaute, tout ce qu'il a à faire, c'est d'accéder à la page web et il peut avoir accès au sommaire du match en temps réel. Donc, il peut avoir à la seconde près qui a marqué le but. Cela veut dire que cette traditionnelle feuille de pointage n'a plus sa raison d'être. Le marqueur officiel travaille avec un ordinateur qui est relié au site web. Il y a toute l'information. Il y a les buts, il y a les assistances, il y a les punitions, les avantages numériques, les désavantages numériques, le nombre de tirs au but. Mais ça, je peux arrêter le temps, je peux le repartir. Quand le temps est arrêté, il y a une musique qui part. Vraiment, là, tout bien organisé. Pas mal comme les matchs de niveau professionnel. Scorekeeper a aussi un autre avantage très important concernant la mise à jour des statistiques. Une opération très fastidieuse pour plusieurs. Ça allège beaucoup le travail que j'ai à faire. Les statistiques, c'est plus moi qui les compile non plus. Tout ça, c'est fait par ordinateur. Fait que les statistiques, dans le temps, ça me prenait à peu près une heure par semaine à tout calculer le nombre de buts, de points que chaque joueur faisait, à tout reclasser dans le classement des compteurs. Là, avec le système, tout se compile automatiquement. Ça demande beaucoup de temps après match d'accumuler toutes ces statistiques-là. Les compteurs, les buts, les points, les buts pour, les buts contre, un peu de tout, là, tout ce qui concerne le classement d'une équipe de hockey puis de la Ligue. Parce que là, ça se fait automatiquement. On arrive à la maison, on peut voir le résultat des deux matchs qui se sont faits chaque semaine. Les gens qui ne sont pas à l'aréna peuvent aussi suivre à la seconde près le déroulement de la partie. Par exemple, pour les ligues mineures, les parents qui ne peuvent pas suivre les enfants, ça permet à ces gens-là de pouvoir suivre le cours du match en temps réel. Au début, la plupart des joueurs se disaient « Hey, on est sur Internet, on voit nos noms. Puis là, comme je disais, on ne peut pas tricher aussi. Alors, quand on est au match, on est au match vraiment. Là, on participe. Comme je disais, nos femmes, mais c'est impossible. Ils ne peuvent pas dire qu'on ne vient pas jouer, qu'on est sorti ailleurs. T'sais. Comme il s'agit d'un nouveau concept, d'autres ligues de hockey vont éventuellement emboîter le pas. La ligue semi-pro, entre autres, semble intéressée par Scorekeeper, un système conçu au Québec. Diane Field, à Boucherville.